Charles III, la date de son voyage en France dévoilée, et c'est bientôt. Reportée pour cause de mouvements sociaux contre la réforme des retraites en mars, la venue du roi Charles III et de la reine Camilla devrait avoir lieu très prochainement. Si rien n'est encore officiel, le quotidien Sud-Ouest a dévoilé les dates prévues ce dimanche 13 août. Leur venue avait été annulée au dernier moment au mois de mars dernier. Alors que le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, devaient effectuer leur première visite d'État en tant que roi et reine en France, elle avait été reportée en raison des forts mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Depuis, l'Élysée et les services de la couronne britannique ont travaillé main dans la main pour trouver une nouvelle date, a expliqué le quotidien Sud-Ouest ce dimanche 13 août. Le couple devrait débarquer en France autour du 20 septembre. Selon le journal, le programme de visite de Charles III et de Camilla sera relativement identique à celui prévu au printemps, réception officielle par le président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée, dîner à Versailles et étape en Gironde. Pour cette dernière, c'est la date du 22 septembre qui aurait été cochée. D'après le quotidien, les services de sécurité du roi Charles III seraient venus faire une visite de repérage en juillet. Charles III, une visite pas encore confirmée. Si les dates exactes de la visite d'État du roi et de la reine n'ont pas été confirmées, l'Élysée ayant simplement officialisé le mois, leur venue semble bien actée. C'est en bonne voie, mais on y verra plus clair à la rentrée. Tout n'est pas stabilisé, a indiqué un proche des discussions. En plus de son passage à Paris et Versailles, Charles III avait choisi Bordeaux, où il n'a pas fait de visite officielle depuis 1977 car il souhaite découvrir une ville écologiste. Très porté sur les questions écologiques, le père du prince William souhaite notamment constater les dégâts des incendies de l'été 2022. Lors de leur passage dans la région girondine, Charles et Camilla, qui ont rompu une vieille tradition cet été, devraient, une fois arrivés à Bordeaux en train, se rendre dans le centre en tramway, puis aller à pied à l'hôtel de ville, après un passage dans une boutique de Canelé-Baillardrand. Le couple devrait aussi se rendre au château Smissot-Lafitte, puis dans le village de Landira, particulièrement touché par les feux l'an passé. Le quotidien rappelle qu'une rumeur tenace indique que le prince William pourrait, lui aussi, faire un arrêt à Bordeaux quelques jours avant son père et sa belle-mère. L'occasion, le match de la Coupe du monde de rugby entre le pays de Galles et les Fidji au stade Matmut Atlantique le 10 septembre. La famille royale britannique pourrait donc venir en nombre en France à la rentrée.